Avant de commencer la vidéo, je voulais juste te dire, si tu veux une partie 2, mets un like, abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune des parties. Parce qu'en fait, ça c'est une série qui va être sur beaucoup d'épisodes. Donc voilà, je vous laisse voir, regardez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et voilà les amis. Regardez-moi ça les amis, regardez-moi ma petite licorne que je viens d'adopter, ma Envy Unicorn. Moi perso je la trouve magnifique, dites-moi vous ce que vous en pensez. Ah elle est trop magnifique, mais le problème les amis c'est que j'ai pas encore de nom à lui donner. Vraiment je me casse la tête pour en trouver un mais je trouve pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme nom? Bella? Non pas Bella les gars, il y a trop de licornes qui s'appellent Bella. Rose? Non pas Rose les gars, c'est pas vraiment un bon nom je trouve. Lina, ça je trouve que c'est un vraiment bon nom les gars. Lina, attendez, ouais ça peut vraiment être un trop bon nom. Donc je crois que je vais l'appeler Lina les gars. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas je crois que ma petite licorne adorée pour le moment, ma petite Envy Unicorn va s'appeler Lina. Donc voilà, bienvenue à toi Lina dans la famille. Donc là on va aller un peu s'occuper de Lina en espérant que les bandits ne la volent pas les amis. Car en ce moment il y a beaucoup de bandits qui viennent voler les pets aux gens. Vraiment j'espère que je tombe pas sur un bandit. J'ai vraiment pas envie de la perdre, je veux juste de la voir. Ah là là, vraiment, à date je vois personne les gars. Je suis vraiment, oh un petit bonhomme de neige, on va le sauver les gars. On est gentil, allez on va le sauver le petit bonhomme de neige qui a trop chaud à ce que je vois. Qui est un peu trop chaud. Donc voilà, on va aller un peu s'occuper. Voilà, on va faire quelques jeux. Et après je crois qu'on va aller manger et après dormir. Et je dois vraiment fermer bien la porte de ma maison. J'ai vraiment pas envie qu'un bandit vienne voler ma petite licorne. Donc là on va tester les gars. Allez, attendez. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche ce jeu. On va plutôt faire ça les gars. On va voir. Oh Lina en plus elle est trop vite les gars. Elle est trop vite mais c'est trop cool. Oh oh mais attendez j'ai une idée. Pourquoi pas améliorer Lina. Attendez, dress up. On va essayer de l'améliorer les amis. Donc là on va lui mettre. On va lui mettre quoi? On va lui mettre une Nika. Pas ça les amis. Ça. Oh elle est trop belle avec ça. Oh non, pourquoi pas ça? Attendez. Non, pas ça, ça fait trop méchant. On va plutôt la mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait la mettre? Pourquoi pas une. Moi je dis les gars, on doit lui donner une couronne parce que vraiment c'est la reine Lina. Donc voilà, on va la mettre les gars, la couronne. Allez, une petite couronne. Attendez, on va l'enlever tout ce qu'elle a. Et on va la mettre la petite couronne. Donc voilà, la couronne, je la trouve magnifique. Regardez-moi ça, les gars. Je la trouve vraiment magnifique. Donc là, on est un peu s'occuper d'elle. On s'est un peu s'amuser. Donc là, on va aller dormir, les amis. En espérant que personne, personne ne la vole. Espérant que personne ne la vole, les gars. On va essayer de pas laisser de traces. Comme ça, personne pourra nous suivre. Et je vais bien fermer la porte à clé. Donc voilà, on va aller dans notre maison. Attendez, c'est à qui cette maison? J'espère que c'est pas une maison d'un bandit. On va directement y aller, les amis, dans notre maison. On va donner à manger à Lina et après on va aller faire une petite sieste parce que vraiment je suis trop fatiguée. Allez, on va la donner à manger. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner, les gars? Un petit sandwich. Et moi, je veux manger quoi? Je veux manger aussi un petit tacos. Voilà, un petit tacos, les gars. Allez, un petit tacos. Voilà, un petit repas du soir. Ça fait toujours plaisir, les amis. Hein. Ça fait toujours plaisir, un petit repas du soir comme ça. Allez, Lina, je te prends. C'est le temps de dormir. Ta première sieste dans ma maison. Regarde-moi ta petite lit que je t'ai préparé. Ton petit lit que je t'ai préparé. Donc voilà, dors, petite Lina. Moi aussi, je vais dormir. Et voilà, on va dormir. J'espère que personne ne va te voler. J'espère pas faire de cauchemar aussi. Hein. Ah là là, j'ai trop bien dormi. J'ai pas fait de cauchemar. Et Lina était juste à côté de moi dans mon rêve. Donc voilà, c'était trop cool. What? Où est ma Lina, les gars? Où est ma Lina? Attendez, un bandit? Non, pourquoi elle est pas cachée? Elle est où, les gars? Elle est où? Où elle peut bien être? Je dois absolument aller voir. Si un bandit est rentré, c'est sûr. J'ai oublié de fermer la porte du balcon, les amis. Oh, ma Lina!
Attendez, on doit absolument s'enfuir, les gars. On va aller le rattraper. Vraiment, là. Allez! Les bandits! Pourquoi il fallait qu'il y ait un bandit? À côté, j'avais complètement oublié de fermer la porte du balcon, les amis. J'ai complètement oublié. Rends-moi Lina, sale bandit! Rends-moi Lina, sale bandit, va. Allez! En plus, c'est une fille, je l'ai jamais vue. Qu'est-ce qu'elle fait? Je dois absolument la retrouver, les gars. Je dois absolument la rattraper. Allez! Non! Laisse-moi Lina! Lina, viens! Ne fais aucun mal à Lina, sinon tu vas le regretter. Allez, je dois la rattraper, les gars. Attendez, on va essayer de la grappe. Ha ha ha! Rends-moi! Espèce de bandit, va. Allez, je suis à côté d'elle, les gars, je vais l'attraper. Si je la touche, normalement, je devrais pouvoir prendre le pet. Allez! Normalement, je dois le prendre, les gars. Non! Elle m'a semé! Attendez, je dois trouver un raccourci, les gars. Je vais faire un raccourci. Je vais prendre Lina. Je dois absolument pas la laisser à cette bandit. C'est bon, les gars. Bon, mon raccourci a pas servi à grand-chose, mais je suis sûr de l'avoir, les gars. Je suis sûr de l'avoir. Allez, si je la touche, normalement, je l'ai. Non, elle a monté, cette satanée sorcière. Oh là là, arrête de tourner en rond. Oh non, ok, c'est bon. Les gars, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé, rends-moi Malina. C'est bon, je t'ai attrapé. Bouge plus, bouge plus. Ah, j'étais attrapé, rends-moi Malina. Maintenant, tout de suite. Je l'ai neutralisé, les amis. Rends-la-moi. Oh non, rends-la-moi tout de suite. Sinon, tu vas regretter. Rends-moi Malina. Ha, t'as trop cru, espèce de bandit. Tu vas voir, je vais te dénoncer à la police. Espèce de bandit, j'ai ton nom. Je vais le dénoncer à la police. Ça m'énerve les bandits qui volent les pets, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vraiment, je les déteste. En plus, ça, c'est sa maison. Oh là là, vraiment, je vais me venger. Je vais appeler la police et tu verras qu'est-ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me suis? On doit absolument s'enfuir, les gars, avec notre Lina. Je crois plus qu'on peut rester dans notre maison. On doit changer de maison, les gars. On doit changer d'endroit. Vraiment, elle a aucun scrupule à nous voler notre petite. Non, jamais. Tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. On va la semer, les amis. Je suis sûr qu'on peut le faire avec le pouvoir de Lina, les gars. À ce qui paraît, on m'a dit que les Envy Lionica pouvaient voler. Je suis sûr que je peux la faire voler. Allez, Lina, vole. Comme ça, on pourra s'enfuir facilement. Oui, elle a réussi, les gars. Yes, on pourra s'enfuir dans la maison qui est en haut dans le château. Comme ça, elle pourra pas nous suivre. Ha ha ha, elle pourra pas nous suivre. La petite bandit. Vous voyez, elle est là-bas. Ça t'apprendra. Je vais te dénoncer. Tu vas voir la prochaine fois. Je vais te dénoncer. Tu vas être en prison. Ah là là, ça fait tellement du bien, les gars. On a réussi à s'enfuir de la méchante sorcière. Mais on est où là, les amis? Ah. On est dans le ciel, grâce à Lina. Bon, je sais pas où on atterrit, mais donc voilà, j'espère que la prochaine fois on pourra se venger et la dénoncer à la police. Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez directement liker, vous abonner et mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette série, si vous voulez plus d'épisodes. Montrez-moi que vous en voulez plus. Et donc voilà, c'était Tikida pour vous servir. Peace.